Salut tout le monde, c'est Nana et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 15 de notre Let's Play sur Neptunia. La dernière fois, on devait faire une mission pour Avenir, mais il nous avait donné pas trop de détails en fait. Donc on a demandé à quelqu'un sur le chemin, qui était Magis, une mage venue d'une autre dimension, d'une dimension parallèle. Enfin bref, beaucoup de blabla. Et cette fois-ci, eh ben, on va s'attaquer au monstre. Aïfi, est-ce que c'est ce monstre-là? Il est beaucoup plus gros que les autres. Bingo, je pense que c'est lui. Allez, c'est parti. Petit dialogue. Oh, gentil petit slash dog. Alors. Alors, les grands classiques. Bon, je vais transformer Nep. Et non, pour l'instant, faut faire baisser la garde. Il a une régène de garde. Et Noir prend un peu cher. Voilà. J'aime toujours ce petit bug. Ah, c'est bien ce que je me disais, la transformation est bloquée, ça serait trop facile sinon. Bon. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Le PC me parle que j'enchaîne un peu trop vite. Ah. Ah, je suis bête, elle était pas dedans. Bon, c'est pas grave. Je descends doucement. Elle a quoi? Lance Ribbon. Augmente la force. Non, pour l'instant, on va continuer. Par contre, faut que je la soigne. Bon, on va continuer pour l'instant. Il fait pas si mal que ça, on peut s'en sortir. Bon, c'est vrai que c'est la phase un peu longue au début où faut briser sa garde. Après, ça ira beaucoup plus vite. Par contre, est-ce que un item ne serait pas mieux là? On en a qu'une, mais c'est pas grave. Ok. Il faut quand même bien baisser sa vie, donc il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Ah.
Ah non, elle est brisée et ben. Ah, j'ai mal géré le coup là. On va essayer de pas. Voilà. Ça, ça fait mal, mais. Ah, il refait un coup après. Il est où le healing circle, c'est ça? Faut que je me place alors, voilà. Ah, il fait quand même un peu mal, faut pas déconner. Allez. La garde brisée, c'est là qu'il faut frapper fort. Voilà, quand ça devient un peu tendu. Est-ce que c'est bon? Quand cette attaque fait bugger le son. Bah, j'en vois beaucoup parce que je réfléchis, hein. Et... Quand même, elle prend cher noir. Peut-être parce que je l'ai pas équipé avec autant de défense que les autres. Pourquoi je regarde ça, quoi, y'a rien. Oh là là. En fait, qu'il attaque deux, qu'il attaque, puis qu'il y a un perso qui est compact, qui doit être la plus rapide. Ok, donc là, on va faire un cross. Et la garde est pas brisée, je pensais que ça aurait brisé la garde. Les compas nous fait que des mises pour une raison obscure. On va bientôt finir. On va essayer de l'achever comme ça. Normalement là ça devrait l'achever. Bon, un combat un peu long. J'ai pas beaucoup parlé parce que j'étais un peu concentré quand même. Mais bon voilà, c'était pas d'une grande difficulté. Ah, c'était facile, n'est-ce pas, hein? Noir était plutôt forte. Ouais, bah moi je vois plutôt qu'elle s'en est pris plein la gueule. À quoi est-ce que tu t'attendais? Tu n'es pas mal toi-même, mais bon. Ah, j'ai été complimenté par Noah. Quoi, Noah? Mais arrête de raccourcir mon nom. Et puis attends, je ne t'ai même pas complimenté. Ah, on dirait qu'elles s'entendent mieux maintenant. Ennemi d'un jour, ami le suivant. Et en plus, on a les données pour l'épée de Chan. Donc,
on peut rentrer. Tadaima ! On est de retour ! Shian ! Buki no test owatta yo ! Shian, on a fini avec le test de l'épée ! Oh, igaito hayakatta na ! C'est rapide ! Sore de, Avenir no hou wa dou datta ? Alors, à propos d'avenir. À ce propos, ça n'a pas fonctionné comme on le voulait. Tout ce qu'on sait, c'est que Avenir est en train de faire une nouvelle usine. Quoi, encore une autre ? C'est quoi le problème ? Ce n'est pas vraiment une surprise qu'ils veulent faire une nouvelle usine. Vous ne le savez peut-être pas, mais toutes les usines ruinent la nature autour d'elles. On a déjà perdu beaucoup de forêts à cause d'elles. Ah, ça va probablement rendre la vie plus difficile à la station. Et bah si c'est le cas, allons retourner à Avenir. Oui, même si ça n'a pas fonctionné cette fois, la prochaine sera la bonne. Du slushing. Oh là là. Alors, slushing. D'accord, vous demanderez, oui, je cherche le mot. Alors. Ah. Un mot familier pour enquêter, je ne le connaissais pas. Hein. Et ben voilà, donc vous avez appris un mot grâce à moi. Alors, et on peut aussi faire un peu d'enquête. Du calme, hein. Ne faites rien de trop extravagant. Très intéressant. Leur conversation est quelque peu intrigante. Voyons voir. Peut-être que je devrais leur faire goûter ce qui se passe lorsqu'on va contre nous. Mais avant ça, Kotatsu Kid. Le Kotatsu. Non, je sais pas. Je sais pas ce que c'est un Kotatsu. C'est la table sous laquelle elle est. Il y a une plaque chauffante en dessous. Enfin, il y a un truc pour chauffer. C'est pour l'hiver. Alors, c'est supposé être un plan pour un item. Mais qu'est-ce que je suis supposé faire avec ça ? Ah bah, je te le demande, hein. Un agi booster, chose que j'utilise jamais ce genre d'item. Alors, une chasseuse débutante. Encore un plan pour un item. Vous ne savez jamais ce qui peut se passer lors d'une quête, alors soyez préparés. En particulier, n'oubliez pas les potions. Ah, j'avoue, hein. Partir chasser un monstre dans Monster Hunter sans potion, c'est un peu, comment dire, c'est mort, tu abandonnes la mission. Ah, P2. En toute référence à... à Star Wars, mais j'ai un doute.
Je suis un robot humanoïde artifice. Je devrais arrêter pendant que je suis encore devant. J'allais faire en sorte de sonner comme un robot, mais ça a l'air vraiment tacky, ouais. Ça a l'air vraiment étrange. Un Zinté Booster, et en finale, on a Monsieur Billy. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Je me sens super fantastique. À pleine puissance, je vous le dis. Ha ha ha. Ah, un Star Booster, ouais. Et Neptune, qu'est-ce que tu as dit, Neptune? Service, service. Et oui, parce que vous ne le savez pas, mais en japonais, ils n'ont pas trop l'alphabet. Donc, quand vous voyez un X dans un titre japonais, c'est pas un X, c'est une croix. Donc, soit elle ne se prononce pas, soit ça se prononce cross. Croix, en anglais. Et donc, soit ce serait service, cross, service, ou service, service. Qui est utilisé généralement pour les crossovers. Prochaine Neptune a des tout. Ok. Ok. Oui, sinon je disais que. Petit moment équipement, puisque noir prenait un peu cher. Ah voilà. Mauvais. Ah. Mauvaise touche. Et oui. Que j'achète l'équipement de défense pour. Non. Toujours pas, d'ailleurs faudrait peut-être que je le fasse d'ailleurs. Et voilà, noir n'a pas. Je vais passer à la guide aussi pour pouvoir prendre quelques quêtes au cas où. Ça c'est le phénix. Et c'est tout. Alors en équipe noire et va prendre un peu moins cher quand même. Vibra Station の状況が分かってきたわ。Je commence enfin à comprendre ce qui se passe à la station. これがネプテューヌたちのおかげっていうのがちょっと尺だけどね。Je déteste l'admettre mais c'est grâce à Neptune et ses amis. J'adore cette tête, elle fait toujours marrer. Quand même. Quelque chose ne colle pas. Puring, j'ai un léger tout. Non, Spring. Voilà, c'est bien. Incitation, impulsion. Donc, l'incitation à la croissance économique fait sens. Et je l'aurais. Et je l'aurais fait moi-même. Mais le faire. Mais le faire au risque de détruire l'environnement, c'est aller trop loin. Ah, tu m'en diras tant, Noir. C'est pas comme si c'est ce qu'on faisait ici, hein. Si plus personne ne peut vivre ici, alors ça perd tout son sens. Avenir. Je me demande ce qu'ils sont réellement en train de planifier. À ce rythme, je n'aurais pas le temps de retourner à la guerre des consoles. Et puis, même si je veux pas l'admettre, Neptune n'est pas une si mauvaise personne. Oh oh, notre trou noir passe en mode déré. Oh, elle est passée, elle commence à passer du côté déré. Oh, il n'y a pas moyen que je puisse la combattre maintenant. En sachant ça.
Hé hey, Noir, allons manger du pudding. Je sais pas pourquoi j'ai essayé de traduire ça. Pourquoi j'ai essayé de traduire ça, moi? Oups, désolé, je t'ai encore surpris. Ah, pourquoi toujours tu... Bon, qu'est-ce que tu veux? Ah bah en fait, j'ai acheté un peu de pudding, donc je voulais savoir si t'en voulais. Ah, je suis désolé, mais je suis pas vraiment d'humeur, là. Quoi, toi aussi, Noir? Alors, Aïe et Compa ont également dit non, et maintenant toi aussi! Comment je suis supposé manger, moi? Et pourquoi pas toute seule? Ah, tu ne comprends toujours pas, Noir, c'est ça, hein. Pudding a vraiment un meilleur goût lorsque tu le manges avec les autres. Voyons. Ah, et puis, c'est pas bien de manger juste avant de s'endormir, hein. Je vais prendre du poids et puis je commence à être fatigué là. Je vois. T'as compris? Bonne nuit. Ah, on n'y peut rien, je suppose. Je suis désolé. Oui, ne t'inquiète pas. Je suppose que c'est de ma faute de l'avoir demandé si tard. Mais ça aurait été tellement bien de le manger avec Noir. Cependant... Si tu veux vraiment le manger avec moi, alors pourquoi pas? Vraiment? Oui, oui, je veux dire, si tu insistes vraiment... Oui, je t'adore, Noir, je savais que tu viendrais. Ah, arrête, stop, arrête de me câliner. Ah, désolé, j'étais tellement heureuse que je me contrôlais plus. Donc, tu m'expliques pourquoi on doit être dehors pour manger du pudding? Tu ne le sais peut-être pas, mais les puddings ont un encore meilleur goût dehors également. Et puis regarde, le ciel étoilé est magnifique. Ah oui, en effet, c'est beau. Ah, je te l'avais dit, hein. Ah, je l'ai découvert hier soir lorsque je mangeais dehors. Ah oui, à propos de la dernière fois où j'ai pas voulu manger avec vous, je suis désolé. Non,
Bah, t'inquiète pas à propos de ça, c'est vrai que j'étais un peu insistante. Parce qu'à défaut, tu l'es pas. Et puis de toute manière, aujourd'hui t'es venu, donc tout va bien. Ah, je te jure, toi. Même si je sais pas pourquoi, à chaque fois que je parle, je mime avoir un pouning dans la main. Ce qui est un peu embêtant pour passer le dialogue. Sinon, est-ce que je peux te demander quelque chose? Bien sûr, du moment que tu me demandes pas combien j'ai sur mon compte. Si, et je dis bien, si tu étais une déesse, qu'est-ce que tu penserais de la station? Entre choisir entre... Non, entre choisir entre... Ça veut rien dire. Alors, entre... Entre la surface et... La guerre des consoles, qu'est-ce que tu choisirais? Bah, je suis pas une déesse, alors je sais pas vraiment quoi répondre en fait. Ah, c'est juste hypothétique, hein. Et si... En fait, je pense que je voudrais aider quiconque se trouve en face de moi d'abord, en fait. Et puis, c'était quoi déjà la guerre des consoles, ça? Même si ça va mal... Même si c'est mal, je préférais voir les visages des personnes que j'ai sauvées, les visages heureux des personnes que j'ai sauvées. Et manger du pudding! Of course! Mauvaise touche. Neptune. Faut que j'arrête de mimer le fait d'avoir du pudding dans la main. Qu'est-ce qu'il y a à noir? Non, rien du tout. Sinon, ton pudding aux œufs a l'air vraiment bon. Je peux y goûter. D'accord, mais laisse-moi essayer ton pudding au chocolat. Bien sûr, vas-y, ouvre grand. Ah, ce petit goût amer, un pur délice. Allez, vas-y, c'est à mon tour, attends. Ah. Encore une grosse différence entre l'original et la traduction. Il a juste dit alors, ah. Alors que là, ils disent. Bon, ça sonnait pas très bien, mais ok. Un effet délicieux. Tu vois, je te l'ai dit que ça avait un meilleur goût lorsqu'on le mangeait avec quelqu'un d'autre. Ah, tu as raison. Faut que j'arrête de faire des trucs avec mes mains, vous voyez rien. Hé, Neptune. Oui. Merci. La station et le hard sensor. C'est ça.
Oui, PlayStation ou la guerre des consoles. La réponse se trouvait depuis le début en face de moi. Et bah c'est sur ce magnifique petit dialogue tout mignon, hein, où nous avons notre grande tsundere qui passe du côté des Ré. Et c'est là-dessus que nous allons nous quitter. Youpi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, parce que je voudrais bien avoir quelques retours, hein, j'en ai pas souvent, alors surtout n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.